dimanche 18 novembre à Port-le-Cat. Un beau soleil, une belle goélette devant, et du bateau de pêche. Il n'y a pas de vent, on vient à peine de sortir. On a embarqué l'ami Christophe. Non, je ne navigue plus en solo, mais en double. Voilà, on s'éloigne de la sortie du port. On s'éloigne, mais vraiment petitement, je crois qu'on avance à 0,8. Bon, voilà. Mais cet après-midi, ça va souffler, donc faut être patient. Là, il est quoi, 10 heures, il doit être 11h, donc on va attendre une heure ou deux, puis ça devrait partir. Ça risque même de trop partir. Allez, à Pelouche, tout va bien à bord. Ne souffle pas fort. Il y a quelques autres qui sont sortis. Là, c'est toujours Anthony et Kathleen sur la goélette. Puis nous, bah, ma foi, on a commencé à faire un petit peu l'apéritif. Hein, parce que le dimanche, c'est sacré. Hein. Le dimanche, à 11h30 midi, apéro. Où qu'on soit. Voilà. Donc nous, on n'arrête pas de... Comme il y a tellement peu de vent... Eh ben, on change de direction, donc on n'est vraiment pas loin du port. Et là, on se dirige vers la plage. On va quand même devoir effectuer un virement de bord ou un empannage, au choix. Ça dépend vers quel côté on va tourner. Sinon, on va bitcher. Allez, à Pelouche. C'est le camarade Thomas sur le Liberty. Ah là, on joue, on est tous réduits. Hein. Il y avait rien avant, mais là, punaise. Là, on avance à 5,5 avec belle réduction de voile. Il avait annoncé, hein, ils ont annoncé, ça va monter fort, c'est pour ça. On n'est jamais trop prudent, n'est-ce pas, le camarade Christophe? Exactement, on n'est pas là pour casser des bateaux ni casser de l'homme. Là pour ça. Allez un peu louche, tout va bien là. C'est probablement pour rattraper parce qu'ils ont un peu plus de toile. Nous avons choisi la prudence. Vas-y mollo. Hein. Là on est réduit. Je sais pas si on voit parce que j'ai le reflet en face, on ne voit rien. Voilà. Mais on avance quand même à 5 nœuds et demi, 6 nœuds, ce qui n'est pas rien. Et là, toujours, et en deux nœuds, magnifique goélette aussi, tranquille aussi, ils sont rentrés légèrement. Pas sur ses appuis, direction. C'est l'entrée du port, donc on va continuer un peu le tour. On s'était rapproché de l'entrée parce que putain, ça a soufflé quand même assez fortement. J'avais réduit, je reste réduit, ça a baissé de nouveau. Mais comme ils annoncent un coup de vent à partir de 13h, et là il est déjà 13h30, bon, on est dans la méfiance. Hein. Voilà, donc je vais aller vers un peu Barcarès et puis après on rentrera vers 15h pour être sécour de chez sécour. Voilà, donc là le bateau il va pas vite, on est à 3 nœuds et demi, 4 nœuds. Lui, il est reparti au large. Dès que ça s'est un peu calmé, paf, il est reparti plein pot. Ben moi, j'ai pas trop le temps parce que Christophe, il doit faire pisser ses chiens vers 15h. Donc, on va rester là dans le secteur. Allez, à Pelouche, et tout y va bene. Allez. Et voilà. Donc là, on est en train de rentrer. Enfin, de rentrer. On fait une approche. Donc de l'entrée du port sous Génoissal, hein, parce que ça souffle bien. Et donc comme moi j'aime bien rentrer à la voile, mais je ne rentre qu'avec une seule voile, donc on avait rentré la grand voile il y a déjà un moment quand même. Et puis donc on tire des bords pour se rapprocher au maximum de l'entrée du port. Allez à Pelouche, le Tristan, hey, ma foi, il va bien. Hein, des apéritifs, les petits biscuits, c'est bien passé aussi. Ça
Liberty, je crois que c'est lui là-bas. Où il y en avait. Ouais, c'est quoi le Liberty là-bas. Il est reparti au large. Allez, tout petit, va bébé. On a la SNSM, je sais pas, il y a eu une intervention, il y a un petit voilier sur leur gauche. Ils ont été le chercher au large, je sais pas ce qu'il y a eu. Et nous, on est sous voile, hein, sous génois seul, on rentre tranquillou. On va quand même mettre des degrés un peu. On va se faire niquer. Hop. Allez, un peu louche. Christophe va bien. Il n'a pas vomi. Tout va bien.